Bien. Petit stream sur Tomb Raider. Savoir que le dernier auquel j'avais joué c'était Underworld. Pas fameux. Du tout. Bon, nouvelle partie en normal. Pour le stream. Un célèbre explorateur a dit un jour: les choses extraordinaires dépendent de nos actes, pas de qui nous sommes. Ah, c'est que t'en pause. J'avais enfin décidé de partir faire mes preuves. Mon micro gueule. Ah là là. Place. C'est l'aventure qui m'a trouvé. Des t'en pause. Dans les instants les plus sombres, quand votre vie vous abandonne, il y a toujours quelque chose. Quelque chose qui vous maintient en vie. Quelque chose qui vous pousse à avancer. Pas normal. Voilà, ça devrait être largement mieux. Je ne sais pas pourquoi, mais parfois avec certains programmes, l'enregistrement se remet à 100%. Va savoir. Donc ici, normalement, le niveau du micro devrait être correct. J'espère. Confirmation, ça. Ouais, mais je comprends pas non plus pourquoi les développeurs ils sont partis dans un trip, spécialement dernièrement. Tu as par exemple Tomb Raider 1, 2, 3 et ainsi de suite, et puis ici ils t'appellent le jeu Tomb Raider. C'est comme Doom, t'as eu Doom 2, Doom 3, puis Doom 4, ils l'ont appelé Doom. Et on va surtout pas parler de Battlefield. Battlefield 1, qui est le 6-7ème. Nickel pour le micro alors. Bon, d'après le benchmark du jeu, qui à mon sens n'est pas, pas efficace, devrait tourner à 280 fps. Si j'active l'anti-aliasing, rien que le MSAA2, je perds 100 fps. 100 putain de fps. Ouais, mais ici c'est une prequel, Battlefield, ça peut pas être un reboot, y a pas de suite logique. Doom à la limite, ouais, c'est encore celui qui est le plus logique. Shadow Warrior aussi. Et ouais, donc c'était marrant parce que le benchmark. Non, j'ai pas activé le hardware parce qu'à ce qui paraît, ça fonctionne pas très bien sur le Nvidia. Et c'est pas Airwork en plus, c'est justement un programme de Nvidia. Comment ça encore? Très CFX. Également, qu'est-ce que c'était? La tessellation apparemment qui rend le jeu assez instable sur le Nvidia. Ouais, ça a peut-être été corrigé, je sais pas. Tris et Félix Raider. Oh. Ils ont même pris le temps d'habiller différemment. Mmh.
Bon, voilà, à la limite, on va l'activer. Apparemment, ça fait également une perte de l'espèce. Ah, j'ai cru qu'il avait été réhabillé en fait. Se balancer, déplacez-vous vers la gauche ou la droite pour vous balancer. Oh bah, il reste discret. Faut que je me libère. Oh shit. Oups. Ah je oui. Je peux pas mourir comme ça. Ça va faire mal. Avec le zoom, je me dis, ça y est, c'est un truc de de chantier, quoi. Appuyez sur répétition pour retirer. Achève. Alors, la sensibilité... Alors, encore un petit peu trop. Pas grand chose, mais encore un petit peu trop. Et... Ça, j'aime bien d'ailleurs les jeux au moins où ils te permettent de choisir la sensibilité, de viser la sensibilité classique, on va dire. Alors, Grafneuvn, tout mettre presque tout en élevé, sauf le post-process, ça parce que ça rajoute des effets de fou chiant. Le pavage, la tessellation, bref. Et donc, est-ce que c'est le tresséfique, les cheveux? Oh mon Dieu. Non. Non. Qu'est-ce que c'est cet endroit? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Une torche. Thank you.
de tes battes. Ah. Reviens. Reviens. Je veux juste t'aider. C'est fini, Lara. Oh. C'est fini. T'aider. Reviens. Reviens. Allez, faut que j'avance. Il faut que je sorte d'ici. Ah, du feu. Merci, mon Dieu. Mais qu'est-ce que c'est que cet engin ? Dans ces barils. Ces débris ramenés par la marée. De la seconde dernière.
t'aider. Donc voilà. Ouais, ben c'est pas évident d'appuyer sur les boutons de la souris quand on a qu'une main. Ouais, une petite discussion, ma cousine, histoire qu'on se capte entre ces quatre. Ça change beaucoup des anciens Tomb Raider. Les petits QTE. Franchement, ça me fait caler parce que c'est très spécial comme type de séquence. Tu dois spammer les touches, puis il y a un rocher qui vient, tu continues à spammer, donc elle est... Sinon, peut-être que dans le courant de la semaine prochaine ou encore après, je vais m'acheter un nouvel écran. Et en même temps que le nouvel écran, le bras pour le micro. J'aurais peut-être dû l'acheter en même temps. Je ne pensais pas que ça causerait autant de problèmes. J'espère bien que dans le mois de QTE... Voilà, la séquence du benchmark, c'est exactement ici. Mais je trouve pas que c'est vraiment un gros environnement, quoi. Même si t'as des trucs à distance, ouais, bon, ça va, quoi. Un petit peu d'eau, mais... Mais bon, apparemment, ici, ben, ça tourne à du 200 FPS, donc... Je referais bien un petit stalker après. Après les jeux. Ils ont dû avancer dans les terres. Cheveux. Attends, ouais. Ouais. Bah déjà, un truc qui fait pas très Tomb Raider, c'est qu'on peut se diriger en plein saut. Quoi. Alors qu'avant, tu faisais un saut, ben tu t'étais merdé, okay. Tu t'étais merdé, à penser tout. Non, les cheveux, ça va, c'est. Encore bien, quoi. J'ai pas vu s'ils ont planté ou quoi comme un peu avant. Ouais, je l'ai mis le tressé fixe. On peut voir que les cheveux sont déjà un petit peu moins comme de la paille. Les brins se dispersent, on va dire. Il n'y a pas moyen de zoomer, donc c'est dur à... Et voilà, bon, ici tu vois bien que les cheveux repassent sur les deux côtés, alors qu'avant c'était juste une tresse plus solide qui pendait d'un côté ou de l'autre. Donc ça change pas grand chose, mais en fin de compte, ouais, c'est plutôt bien fait. Même si ce n'est que ça, c'est, j'ai envie de dire, voilà, c'est pas... Les X, ils ont le sang, ils ont les boyaux, ils ont la déformation... Un truc marrant. S'ils ont des cheveux. Clover, ouais. Ah. Agrippez-vous pour régler ça. Oh mon dieu. Il est sur eux ou non?
Appuyez sur E pour vous agripper. Je n'en ai plus besoin, le jeu. Plus besoin de me le dire. C'est bien. Mais... le sac de Sam. C'était quand même un gros sou. Là, dans Far Cry, on serait tué. Sam! Ils ont dû passer par là. C'est moi qui l'avais une arme. C'est quoi ça? Sam? Ross? Des piles? Est-ce que quelqu'un m'entend? Des batteries. Il faut que je les retrouve. Appuyez sur E pour vous agripper. Émetteur récepteur, génial. Sinon tu gardais la sacoche hein, c'est encore plus simple. C'est vrai que c'est de la tenir en main, c'est okay. Que ah, vous êtes bête. On doit aussi brûler les gens qu'on tue dans Deliver Within. Il y a des femmes aux cheveux longs, donc... Enfin, vous le voyez pas, mais en fait, à chaque fois qu'il y a le début de cinématique ou un truc dans le genre, il y a un petit TR qui se met en bas à droite. Pas pour bien te rappeler que tu joues à Tomb Raider. Ou alors c'est l'icône de sauvegarde. Oh, cette musique, elle fait tellement Far Cry 2. Est-ce que quelqu'un m'entend? Allez, répondez! Qu'est-ce que t'as déjà regardé y jouer? Ah oui! Ah, c'est bien ça! Allez, petit QTE pour l'allumette, non? Ah, tu y avais joué, ok. J'avais même pas. J'avais même pas que t'avais Tomb Raider! T'avais fini? Et voici la future référence mondiale de l'archéologie, Lara Croft, dans son habitat naturel. Elle est à la recherche du royaume perdu du Yamatai, sur les traces de Himiko, la mythique reine solaire. Une de mes ancêtres, okay, semble-t-il. Ouais. Sam, c'est sérieux, là. Mais je sais, ma belle. Oulala, il jouait à des jeux craqués. Tout le monde est tellement à cran. Dis-moi ce qui te préoccupe. Je tiens quelque chose. J'en suis persuadée. Mais je sais pas si les autres m'écouteront. Lala. Ou s'il faut qu'ils m'écoutent. Lara... personne ne connaît ce sujet aussi bien que toi. Sérieusement, je dis pas ça juste pour te rassurer. Je te fais confiance. Et Ross aussi. Ça va aller. Allez, c'est le moment de faire une pause. Faut se détendre. D'accord, d'accord. Eh, Sam. Merci. Elle n'est pas toujours aussi sérieuse. Salut, Algoria. Hey, vas-y, allez, rattrape-le! Non, non, mais c'est ta chance, là! Mais comment pouvez-vous insinuer que je ne prends pas cette expédition au sérieux, Lara? Il n'y a pas que la famille de Sam! Moi aussi, je finance le projet! Nous jouons tous gros dans cette histoire. Et on savait que ce ne serait pas une promenade. C'est précisément pour ça qu'on doit aller vers l'est. J'ai l'impression que... rien ne laisse croire que le... toutes leurs intonations sonnent faux. Rien ne laisse croire que le Yamatai soit autant à l'est. Tous les ouvrages de référence disent le contraire. Cela dit, leurs auteurs n'ont jamais trouvé le Yamatai. J'en ai déjà parlé avec Ross. Ça ne rime vraiment à rien de marcher sur les traces des autres, Dr. Whitman.
Ne comptez pas sur moi pour jouer ma réputation sur une de vos lubies. C'est moi seul qui en parle en forêt, tout va bien. Comment ça se passe ton projet pour... J'ai 30 ans d'expérience, 2 doctorats, dont un en histoire de l'Extrême-Orient, alors occupez-vous plutôt de votre bateau. Navire, Dr. Whitman. C'est un navire. Pas besoin d'un doctorat pour savoir Écoutez, ça. Écoutez, faire cap vers l'est nous mènera directement dans le Triangle du Dragon. C'est là où nous devons aller. Lara, ma petite caille. Tu sais bien que je serais prêt à te suivre n'importe où, mais j'aime pas cet endroit. Ces tempêtes feraient passer le Triangle des Bermudes pour Disneyland. Très peu pour moi. Certains récits racontent que la reine Himiko pouvait invoquer des tempêtes. Les mythes sont souvent des déformations de la réalité. Et si le Yamatai se trouvait à l'intérieur du triangle ? Tenez, voilà une image satellite montrant l'intérieur du triangle du dragon. Ça ne donne pas envie. Tant qu'il y a de l'eau, je peux vous y amener. Oh, ne me dites pas que vous êtes sérieux. Ça suffit. Reyes a raison, on n'a pas les moyens de tergiverser. C'est maintenant ou jamais. Lara a le mérite d'avoir des idées et une carte. C'est moi le capitaine, c'est moi qui décide. On va aller dans le triangle du dragon. Comme bon vous semble. On voit directement la différence d'intonation et de bordel, parce que lui, c'est un voice actor plus chevronné que les autres. J'ai l'impression, franchement, ils finissent... Toutes leurs phrases ont une intonation qui ne sonne pas juste. Ah. Alors, on élude la question, là. On ne répond pas à le gorille. Je peux pas rester là à rien faire. Il faut que je trouve quelque chose à manger. Pourquoi est-ce que quand j'appuie sur sprinter, elle nous fait ça? Je fais ce que je veux. Ok. C'est mon stream, j'ai le droit de râler sur les jeux d'acteurs, tout ça, tout ça. Mon Dieu. Le pauvre homme. Hé, cet arc me sera utile. Parce qu'ils l'ont rendu avec son arc. Mais non, elle était vaccinée, tout ce qu'il faut. Il fallait que j'appuie sur une touche, mais... On va voir si ça marche encore. Il faut que je me souvienne des conseils de Ross. La condition physique et la technique ne suffisent pas. Tu n'y arriveras que si tu te concentres. C'est le seul moyen d'apprendre à maîtriser une arme. Ouais, par contre, la sensibilité d'être visée, elle est un peu... Au moins, ça... Je suis trop affaibli. Il faut absolument que je trouve à manger. Beaucoup de trosses. Par avec. Ça va, il y a sur assez de flèches dans le coin. Avec tout séché. Bam, en trop de balles. Et des sales douilles.
Ouais, on a de l'XP. Merde. Désolé. Tu savais qu'une flèche, ça va être easy, ça. Trois points de compétence, trouver un feu de camp. Voilà, il a bien été dépecé. Ah oui, elle lui a même craqué la nuque assez violemment là. Pas toujours des derniers gadgets pour te dire où tu te trouves. Apprends le langage de la Terre et des étoiles et tu sauras toujours retrouver ton chemin. Ah ouais, la flèche, c'est allait bien. Planté dans sa tête. Oh, des lapins. Ah, oh, y a plus de lapins. Des lapins agressifs. Bien la plante qui disparaît progressivement après l'avoir ramassée. Défi débloqué, terminez-le pour de l'XP. Ah! Détruire les totems. À 10. Près du cadavre. Ah, non.
Y'a un lapin que j'avais tué mais que j'avais pas fouillé. Arrêtez de nous faire des mouvements bizarres là. Pareil. Bon, avec ça, est-ce que j'aurai assez d'ailleurs qui est pour défendre les autres totems? Non, du tout. Enfin, voilà. Maintenant, tout et n'importe quoi devient trop les aidants. Eh ben, notre génération! Manquant, nouvel équipement requis pour ouvrir. Okay. Qui sont les têtes? Ça a recommencé. Le soldat Kosuke. Il était de garde la nuit dernière. Personne n'a rien entendu. Et ce matin, on a retrouvé que son casque. Aucune trace de combat, pas de sang, pas de balles, rien. Les autres parlent de partisans chinois, peut-être même de GI américains. Les imbéciles. Ils n'ont aucune idée de ce qui se passe ici. Ce sont les Oni qui nous traquent. Ces démons ont pris possession des ruines de cette île. Nous sommes des intrus. Ils nous surveillent, attendant le bon moment. Toutes ces épaves, ces ruines, toute cette île n'est qu'un cimetière. Ce n'est qu'une question de temps avant que Léonie nous attaque. Yay! C'est de savoir si les machins qu'on a récupérés, s'ils sont vraiment tous dans cette zone ou... De récipients. Géocache. Qui les a laissés ici? Sur 10. On a d'autres par là ou... C'est pas impossible. Bon, c'est pas.
C'est pas le sprint, c'est... Par où ? J'en ai deux. Compétences. Dépensez vos points de compétences dans le menu compétences pour améliorer vos capacités. Ah ok. Sort survivant. On a deux. Alors, Insta Animal, une meilleure observation vous permet de repérer des animaux et des sources de nourriture difficiles à trouver. Expérience survie, vous gagnez des récompenses supplémentaires en fouillant les cadavres d'animaux et les caches de nourriture. Collecte de matériaux. Collecte de matériaux, fouillez les caisses et les caches pour trouver des matériaux supplémentaires. Percepteur macabre, fouillez attentivement les cadavres d'animaux pour récupérer des matériaux supplémentaires. Recyclage, les archers peuvent récupérer des flèches sur les cadavres ennemis. Apparemment, quand on en a rempli 7... Les blocs, le niveau 2... Ah non, ok, c'est... Ils sont liés, ok. Oui, trouvez les poches cachées sur les cadavres ennemis pour récupérer des munitions supplémentaires, agilité d'escalade, améliorer vos compétences d'escalade pour vous déplacer plus rapidement et augmenter votre résistance aux dégâts de chute. Course d'orientation, utilisez votre perception améliorée pour trouver des récompenses cachées dans l'environnement. Cartographie, les entrées de tombeaux et autres lieux intéressants seront affichés sur votre carte. Alors, survivant... En vous concentrant, vous disposez de plus de temps pour viser de manière précise avec votre arc. Capacité de munitions. Bon usage de vos sacs et de vos poches vous permet de transporter plus de munitions. Donc votre force accrue vous permet de transporter un maximum de munitions. Éliminez vos ennemis en toute discrétion pour obtenir une récompense plus importante. Utilisez vos flèches comme des poignards et attaquez vos ennemis au corps à corps pour obtenir des récompenses supplémentaires. Ceci. Exécutez vos ennemis à bout portant pour plus de récompenses. Débloque aussi le réticule de tir à la tête. Achevez les ennemis à bout portant avec le fusil pour gagner des récompenses supplémentaires. Et tirez à bout portant sur vos ennemis avec le fusil à pompe pour les arrêter dans leur élan et gagner des récompenses. Ouais. Alors... Matériaux. Yeah. Ok, donc ça c'est un récapitulatif et deux skill trees. Il y a encore un point d'action. Ici Conrad Ross, capitaine de l'Endurance. Nous sommes naufragés sur une île dans le triangle du dragon. Ross ! Tara ! Tu es en vie ! Calme-toi, calme-toi. Tu vas bien ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Je me souviens de la plage, et puis plus rien. Je me suis réveillée dans une grotte. Il y avait un homme qui me poursuivait, et puis il y avait un cadavre. Oh non ! Où es-tu, Lara ? Tu es en sécurité ? C'était vraiment horrible. C'est de ma faute. Tout ça, c'est ma Lara, faute. Lara, écoute-moi. J'ai envoyé un SOS depuis l'Endurance avant de l'abandonner. J'espère que quelqu'un l'a reçu. J'ai parlé aux autres. On se regroupe sur ma position. S'il te plaît, viens me chercher. Je dois rester ici. Tu peux y arriver, Lara. Tu te souviens du mont Snowdon ? Pendant qu'on grimpait, tu disais que la seule option, c'était d'avancer. Il faut que tu escalades la montagne en passant par les ruines. Garde ta radio allumée. Ok. Par où commencer ? Bon. Je m'appelle Lara. De la musique ?
Où est-ce que je peux pas voir les autres? Peut-être aller plus loin dans le jeu. On a trouvé 4 hein, des symboles machins. Ah tiens. Eh oh! Eh oh! Y'a quelqu'un? S'ils sont tous les 10 là-dedans, monte si... Pardon, je vais pas chercher longtemps, mais... En même temps. Ça a tremblé. Voilà. Headshot dans la tête. Plein d'XP. S'envoyer dans la région. Chasser cette région rapporte. Ah. Chasser dans cette région rapporte désormais peu d'XP. On a eu un gros gain d'XP quand on a terminé. Ah. 5 sur 10. Ouais, donc il doit. Tous être dans la zone. Et j'ai plus des masses de feu. J'aurais plutôt dû prendre le skill qui permet de récupérer les flèches. Oh. Et que je sais pas à quel point on va utiliser l'arc à flèche du coup. À savoir si c'est une bonne idée ou pas. Ouais, un petit génocide, c'est toujours, toujours bien pour commencer les journées. On a vraiment 10 rien que ici, je crois qu'ils vont attendre encore un petit peu maintenant. Je vais passer par là. C'est pas vrai. Animation au niveau de son bras à gauche. Qu'est-ce que c'est que ces symboles? Je ne peux pas faire ça. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Oh non, c'est de la folie. Oh. Ouais. Encore Raison, ça. Il est en dehors, quoi. Oh.
collègue. Merde, il y a un trou de balle qui est passé il n'y a pas longtemps. Des canettes. Psy. Ce masque de nos traditionnels représente une méchante femme à l'apparence de démon. Il doit être bien le mec qui passe par là tous les jours. Entendu? Oui. On a fait du feu. Cherche la fumée. On est en route. Lara, tu es vivante. Est-ce qu'il approche en... Dieu merci. Surprise. C'est bon, il est avec nous. Désolé de vous avoir fait peur. Cet endroit a le don de rendre les gens nerveux. Nous venons de contacter vos amis. Ils sont en route. Regarde, il a soigné mon pied. C'était le moins que je puisse faire. Excusez-moi, je me présente. Je m'appelle Mathias. Je suis enseignant. Je n'ai pas vraiment été formé pour la survie, je le crains. Lara, t'as l'air épuisée. Assieds-toi. Oui. Sam était en train de me parler de la Reine Solaire. Oui, Iniko. Vous pouvez m'en dire plus, ça m'intrigue. Eh bien, croyez-le ou non, il y a environ 2000 ans, la reine Iniko régnait sur pratiquement l'ensemble du Japon. Elle adore raconter cette histoire. Iniko était superbe, énigmatique, mais aussi intraitable et autoritaire. La légende dit qu'elle avait des pouvoirs chamaniques. En général, vous voyez, c'est là que je décroche. Il y a pourtant toujours du vrai dans les mythes. Elle était à la tête d'une armée de guerriers samouraïs, les puissants gardes-tempêtes. Ils commandaient aux éléments sur le champ de bataille, dévastant tout sur leur passage. On dit que la reine ordonnait au soleil de se lever, et qu'elle régnait sur tout ce qu'il touchait de son vivant, depuis les montagnes jusqu'aux mers. Mathias ? Sam ? Sam ! Merde. Ah ! Ah ! Sam ! Ah ! Ah ! Presque la pluie l'aurait réveillé déjà. Hein, you
attention. Pourquoi ce trip de tirer sur tout dans les jeux et que... Ça fait plaisir de te revoir, ça résout les problèmes. Ça fait du bien de vous voir. Sam est avec vous ? Je veux pas parler des autres personnes, hein. Je veux parler des... Elle était là. Des genres des pièges. Avec cet homme, Mathias. Katna. Et je me suis endormie. À mon réveil, ils avaient disparu. Vous n'auriez jamais dû partir comme ça. Il faut qu'on les retrouve. Hé, hey, oh, 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 hé, hey, Ross. Ok, on se sépare. L'un de nous part rejoindre Ross avec Lara. Les autres se dispersent pour chercher Sam. Je vais avec elle. Non, 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 je vais y aller. Vous savez vous servir de ça ? Ça fait longtemps. Mais ça va me revenir. Trouvez Ross. On se charge de Sam et de ce Mathias. Est-ce que ça va aller ? Oui, j'ai juste besoin de me reposer une minute. On met le mec qui ressemble le plus à un stéréotype de pédophile tout seul avec lui. Très bien, ne bougez pas. Je vais jeter un œil. Ok. Je vais jeter un œil. À quoi ? C'est pas si mal. Je n'arrive pas à croire que nous menons une expédition pour retrouver la terre natale de mes ancêtres. Depuis que j'ai raconté l'histoire de Himiko à Lara, il y a des années, elle cherche le Yamatai. Je n'avais jamais pensé que toutes ces histoires pouvaient finalement être vraies. Ma grand-mère me racontait cette histoire comme on raconte des souvenirs. Il y a plusieurs milliers d'années, la reine Himiko régnait sur le Yamatai. Il l'appelait la reine solaire. Elle était belle, énigmatique, mais aussi intraitable et autoritaire. Elle régnait sur un royaume s'étendant des montagnes à la mer. Mais un jour, le Yamatai est disparu sans laisser de traces, et il est tombé dans l'oubli. Ça ne me dit rien qui vaille. Montez sur la colline ! Cherchez le grand portail ! Des chiffres. Peut-être des coordonnées ? Quelqu'un qui voulait qu'on les trouve ? Lara est en pleine crise de confiance. Alors, j'essaie de faire bonne figure. Mais cette expédition ne me dit rien qui vaille. J'en ai mal au ventre.
À mesure que nous approchons du triangle du dragon, je sens que la nausée me gagne. Et ce n'est pas un excès d'enthousiasme. Qu'est-ce qui m'arrive? Je devrais être contente. Ce voyage va être génial. Il faut que je me débarrasse de ces états d'âme. Je peux peut-être convaincre Lara de faire une pause et de boire un verre avec moi. Vous avez quand même pu me prévenir pour les loups, docteur. Sanctuaire. Qui peuvent-ils bien vénérer ?
sont fascinants. Je les ai déjà vus. Il doit s'agir d'un rituel. Cette figure féminine est particulièrement intéressante. On dirait que ça a été fait récemment. Oui, par les gens de l'île, sans doute. En jugé par ces épaves, ils ont fait naufrage. Tout comme nous. Remarquable. Ouais, reste à espérer que nous ne finirons pas comme eux. Essayez d'actionner l'autre. Il n'y a pas de poignée. Ensemble. Ah non. C'est pas assez solide. Il me faut un objet qui puisse me servir de manivelle. On va trouver quelque chose. C'est incroyable. De quoi améliorer mon piolet. Reculez.
Ethan est une vraie diva. Je le revois encore pendant que je le filmais. Quelle histoire. Après tout, c'est son boulot, non? Ce n'est pas comme si sa présence allait changer quelque chose au résultat de ses recherches. Dès que nous aurons trouvé l'Yamatai et que les caméras tourneront, ça ira mieux. Il est pénible, mais il est doué pour la mise en scène. Je dois faire mon travail et rester calme. Lara ne le sait pas, mais je l'ai filmée elle aussi. Je veux vraiment que les gens sachent à qui revient tout le mérite. Et puis, elle passe tellement bien à l'image. Ça va rendre Whitman fou de jalousie. Mais le temps qu'il s'en rende compte, nous serons loin. Ok, je suis prête, docteur. C'est quand vous voulez. Les acteurs de nos penchaient la tête vers le haut ou vers le bas afin que le masque exprime différentes émotions.
Ouais. J'ai encore pas trop l'habitude. Y a pas de feedback visuel, donc... Quand je le ferme ou que je l'active, je vois trop la différence. Donc je disais... le dernier auquel j'ai joué, c'était... Oh. Je sais pas encore. Oui, donc le dernier auquel j'ai joué, c'était Underworld. Donc ça va être dur de faire pire. Mais... Pour l'instant, c'est surtout des petits détails qui me dérangent dans celui-là, mais des conneries, hein. Les objets qui fade in et fade out pour dire ok, tu l'as ramassé, il disparaît. Donc je cherchais après toutes les saloperies qui sont cachées dans... Regardez également ce que rapporte comme XP les reliques. Négligeable. Récupérer des matériaux pour améliorer le piolet. Ah, vous me dites que... Ah, si, je pourrais remonter. Non ? Ah, ouais. Ça aurait été un peu d'ailleurs. Alors... à côté en plus. L'autre est apparemment juste en face. Quel connerie. Sinon, les animaux avec des matériaux de construction cachés dans vos corps. Voilà, le petit lapin. Donne-moi ce que tu as. Dans ton corps. Ok. Effectivement. Un peu moins d'XP.
Y'a que dalle. Dans les reliques. Les reliques. Merde, ouais. Carte au trésor, j'en ai une. Les chasseurs d'esprits, voilà, c'est ça, il m'en manque 3. On les a, les documents. Paris, je l'ai ça. Alors... leur système là, à chaque fois ils affichent ramper mais ça dure pas assez longtemps, du coup je peux pas regarder. Était utilisé dans le No, le théâtre traditionnel japonais. Il représente sûrement un démon, un Oni. Des reliques des esprits. Ok, mage pour esquiver les attaques. Ah, le truc bien chiant. Tu cherches, et puis à un moment tu fais demi-tour et tu te rends compte que c'était juste sous ton nez de 3 ans. Ou t'étais passé à côté juste au spawn. Bien chiant.
Lara. Prête pour faire un essai? Ok, je suis prête, docteur. C'est quand vous voulez. 9. 1. Oh putain. Il y en a plus qu'un. Ça fait chier. La porte, on va arriver à la fin du niveau, je parie. Chérie, réfléchis. Réfléchis avant de remplir ces papiers. J'ai englouti tout l'argent qu'il me restait dans cette expédition. Mais ça va me rapporter 10 fois plus. Si tu divorces maintenant, tu n'auras pas un centime. Tu m'as connu alors que je n'étais personne. Tu sais ce que je suis capable d'accomplir. Je n'ai pas perdu le feu sacré. Je vais rebondir, crois-moi. Là, je tiens quelque chose. Lara, tu te souviens d'elle? Ma jeune protégée. Elle a des preuves pour étayer ses théories, mais elle n'a pas d'expérience. C'est en mon nom que je présenterai cette découverte aux caméras. Si tout se passe comme je pense, ce sera un show fantastique. Si tu décides de partir, je ne te retiendrai pas. Mais je t'en prie, attends un peu. Ce genre de publicité nuirait à mon image. Je t'en prie. Ça va être là, je crois. Bon. Détruit. Ce pont là on l'a déjà fait. XP. Ouais. On a un succès.
Cette figure féminine sur le portail, étant donné l'âge des symboles, il pourrait s'agir de la reine solaire. Himiko, j'ai l'impression d'entendre Sam, Dr. Whitman. Il ne fait aucun doute que Himiko avait des pouvoirs. Certains parlent de pouvoirs chamaniques. Il suffit qu'une femme ait du pouvoir pour qu'elle finisse par passer pour une sorcière. Nous ne devons écarter aucune hypothèse, même si cela nous semble irrationnel. Nous avons encore tant de choses à apprendre. Je croirais entendre mon père. Cette histoire s'annonce passionnante, Lara. Si on arrive à y survivre. Incroyable. C'est bien Himiko. Regardez. Le bol, les cierges. Pourquoi est-elle encore vénérée ? Cette île devait appartenir au royaume du Yamatai. Vous aviez raison, Lara. Le royaume perdu. C'est comme trouver l'Atlantide. Sauf que c'est réel, Dr. Whitman. Cette île n'est pas un mythe. Non, mais c'est une véritable mine d'or. Venez, vite. Vos amis sont blessés. Oui, sûrement à cause d'eux. Reculez. Il ne faut pas leur faire confiance. Vous avez encore une arme. Je ne veux pas d'ennui. Non. Nous venons. Non. Mais j'exige qu'ensuite, vous nous conduisez à celui qui fait office de chef. Mais qu'est-ce que vous faites ? Taisez-vous. Non ! Je m'en occupe ! Non ! Ah ! Ah ! Non ! Ah ! S'il vous plaît ! Lâchez-moi ! Non, ne leur résistez pas, Lara ! Ah ! Faites ce qu'ils demandent ! Daimne Pistaler ! Иди. Пошла. Ты кто это, Вулфа? Что вы... Тихо! Лара! Начнут вас слухать, мочи их! Не делайте вам зла, я сказал, а ты ведь хорошенькая, да? Напоминаешь мою сестру. Лашина! Лара! Ку! Но! Окружите! Окружить! Только попробуй рыбнуть. Почините их! Да не тонай! Ouais, bien, lui, il allait courir vers un mur. J'ai caché. Je ne vois plus. Regarde bien le mur. Et amène la prisonnière. Fais pas de bruit. On occupe. Если эти не захотят сидеть тихо, вали все. Ля! Жопа! Amène la prisonnière. Bah tu l'as. Quoi la putain de logique là derrière? Et amène la prisonnière. Fais pas de bruit. On occupe. Если эти не захотят сидеть тихо, вали все. Continue à grimper.
Чё, думаешь, прячешься, кукла? От меня не уйдешь. Эй, ты! Выходи давай! Лучше не зли меня. Я всех всегда нахожу. Она тоже была порадочной стервой. Il y avait trois gardes au mètre carré, et là, il n'y a plus personne. Oh mon Dieu! Bon, avec le flingue, il n'y avait que deux balles dedans, c'est bien aussi. En plus. Oh, violet non plus. Ouais. J'en ai une. Elle est descendue par là-bas. Elle est morte. Je sais pas. Laisse tomber. On sait que t'es là. T'as nulle part où aller. Elle a un flash. Ne vous approchez pas de moi. Oui, on a quand même récupéré quelques balles. Je crois qu'on en récupérerait autant d'ailleurs. Ça donne quoi ? Ouais, la flèche elle a transpercé la moitié de la porte en bois massif. Non, rien n'est si grave.
quoi, un pétrolier? Non. Qu'est-ce qui se passe en bas? Tout va bien? Gros sale qui lui tire dans la jambe. Lara, tu es là? Oui. Ouais. Je vois de la fumée qui vient des ruines. Est-ce que tout va bien? Oh mon dieu, Ross. Ça va mal ici. C'est un véritable massacre. Quoi? Qui? Les hommes. Je sais pas pourquoi. J'ai été obligée d'en tuer plusieurs. Je n'avais pas le choix. Ça a dû être difficile pour toi. C'est terrifiant à quel point c'est facile. Ross, il faut absolument prévenir les autres. Ne t'en fais pas pour eux. Pour l'instant, tu dois trouver un moyen de me rejoindre, Lara. Je vais essayer. Feu pour enflammer ça. Juillet 1982. Plusieurs jours ont passé depuis le crash de l'avion. Pour la deuxième fois, nous avons essayé de partir par bateau, mais ce fut un désastre. Je savais que nous n'y parviendrions pas. Comme la première fois, une tempête s'est levée de manière inexplicable. Les vents se sont déchaînés, suivis d'une vague incroyable. Notre canot de sauvetage a été projeté contre les falaises tel un vulcan. Plusieurs jours ont passé depuis le crash de l'avion. Pour la deuxième fois, nous avons essayé de partir par bateau, mais ce fut un désastre. Je savais que nous n'y parviendrions pas. Comme la première fois, une tempête s'est levée. Après, il dit qu'il a un plan pour quitter l'île, enfin, un plan tout court. Mec, que ça ne les concerne pas. Alors, il va les envoyer se suicider dans une autre tentative pour quitter l'île. Tout ça. L'avantage avec les cauchemars, c'est que tôt ou tard, on finit par se réveiller. Mais cette île, c'est comme un cauchemar dont on ne s'éveille pas. Je suis vraiment là. Je fais vraiment toutes ces choses. Non. N'y pense pas, Lara. Ça ne sert à rien. Alors, l'arc va améliorer. Je ne sais pas ce qu'est devenu le reste de l'équipage. J'espère qu'ils n'ont rien. Oh mon dieu, faites qu'ils n'aient rien. Je sais pas ce qui se passe ici. Mais tout ce que je veux, c'est rejoindre Ross et trouver un moyen de rentrer à la maison. Rafale permet un mode de tir alternatif en rafale de 3 coups. Maintenez souris bouton central pour activer le mode rafale. Oh.
Chargeur plus long, contenant 10 balles. Un canon aéré compensé. La compensation de recul permet d'améliorer la précision et d'augmenter les dégâts. Fin de bouche. Libère les balles plus efficacement, ce qui permet d'augmenter les dégâts. Modification du stretcher améliore la cadence de tir. Augmenter les dégâts. Ouais. Ah, j'ai 3 points de compétence aussi. Alors. Très simple, c'est en concentrant que vous disposez plus de temporiser de manière précise avec votre arc. T'inquiète pas, je vous permets de transporter plus de munitions. Il est venu en discrétion. Je compte des poignards et attaquer vos épaules. À récupérer. Comment? Dans un sens, d'habitude, je me plains parce que les ennemis réagissent trop vite, ou du moins ils savent trop vite où on se trouve dès qu'on tire une balle. Là, c'est. Il y a un coup de feu, le mec. Ils peuvent pas faire de juste nuit. Bien, tu vois, le mec qui fait un pas de côté ou qui fait un pas en arrière parce que qu'est-ce qui se passe, tu vois, mais pas non plus comme là, il reste penaud. Oh, il est mort. Ah non, c'est un passage, mais bien pourri, hein. Mais c'est. Je sais pas, dans les Call of Juarez, ils ont toujours fait ça, le combat de fin, c'est le bordel. Si c'est pas les ennemis qui viennent complètement péter, t'as toujours une connerie. Ouais, si on passe de 50 à 65 balles.
encore, c'est peut-être pas le max. Qu'elle ressort des armes comme ça toute seule. Ok, c'est vraiment un bruit. Viens. Pour un jeu où tu peux pas utiliser d'armes quand t'es accro. Bordel. Un headshot c'est 30. Ouais. Pourquoi est-ce que je ferais quoi que ce soit d'autre? Ça rapporte le max. Échoué sur l'île, la pluie et le vent nous ont pris sur place pendant 10 jours. Nous ne pouvions pas nous abriter ni chercher de la nourriture. Nous pouvions à peine bouger, comme si une main gigantesque nous retenait. Alors que la tempête se calmait, le père Mathias s'est présenté à nous. Il était calme. Il semblait nous connaître. Nos noms, d'où nous venions. Il s'adressa à nous dans notre langue maternelle. Il nous expliqua la vérité sur cette île. Il nous offrit le choix entre le salut ou la mort. Certains essayèrent de lui tenir tête. Il les tua sans hésitation. Le père Mathias n'était ni malveillant ni agressif, mais calme et déterminé. Alors que je me tenais sur le sable, souillé par le sang de mes camarades, je compris que je ne pourrais rien lui refuser. Ah bah... En même temps... Bon, ben t'as le choix, soit tu nous rejoins, soit je te tue. Ouais, c'est pas trop bon, mais c'est...
libère un plus 1, ça permet d'augmenter les dégâts. Augmenter les termes aussi. Si tu reviens dans moins d'une heure, je serai encore là, mais à 20h, je coupe le stream. Donc, voilà. Normalement, vu que demain je fais le matin, je devrais être en mesure de faire un petit stream dans l'après-midi, comme aujourd'hui. On verra. Un peu déçu là. Piu-piu. 250, je crois. Un éventail en soie. Éventail. Il a pu appartenir à un villageois, comme à un noble. C'est un gunbai, utilisé par les samouraïs pour relayer les ordres aux soldats sur les champs de bataille. Il est très solide, sûrement du bois de cyprès. Génial. Bon, j'en ai même pas. Il s'est passé quoi là? Ouais. Elle était censée se pendre au rebord, mais elle s'est penchée sur le sol. Je peux y arriver. La qualité d'ailleurs sur le site. J'ai pas trop souvent stream dernièrement, donc il y a énormément de moins de monde. Ross, j'arrive.
si tu es vivant. Oui. Mais c'est pas Dieu qui m'a sauvé. Je suis content de te voir. J'ai l'impression qu'ils sont acharnés sur ta jambe. Non, c'est pas si grave que ça. Est-ce que tu as eu des nouvelles des autres ? Aucune. Hé, mais qu'est-ce que tu fais ? Ils ont pris mon sac de provisions. L'émetteur du canot était à l'intérieur. Si on le récupère pas, on pourra jamais quitter cette île. Mais il te faut des bandages, des calmants, des antiseptiques. Tout était dans le sac. Ouais. Super. Eh oui. Approche. Approche. Non, ne me fais pas ce coup-là. Pas maintenant. Le sac est là-haut, quelque part. Oh. Observation vous permet de repérer les animaux qui sont de nourriture difficile. Vous gagnez des récompenses supplémentaires en fouillant les cases aux animaux et les caches de nourriture. Archers peuvent récupérer les flèches sur les cases des ennemis. Puis les cadavres d'animaux et les caches de nourriture pour gagner un bonus d'XP. Pas impossible, j'en doute. Enfin, pas pour l'instant. Bon, apparemment, là, il y a moyen d'y aller. Ce saut, j'en doute fortement.
ok, le grappin ou je sais pas quoi, ouais. Ah, j'avais lu dans les améliorations de... Enfin, oui, dans les campements, on parle de... Un truc. Ces ruines. Période Kamakura. Tout ça faisait partie du Yamatai. Un peu loin, non? Ah ouais, t'inquiète. Je visite. On avait déjà brûlé quelques-uns. Après 2 semaines d'attente, j'ai enfin obtenu audience auprès de Sa Majesté Himiko, reine du Yamatai. Je n'avais jamais rencontré une telle femme. Belle, énigmatique, calculatrice. Elle vit parmi les prêtresses du soleil. Aucun homme ne l'accompagne, à l'exception du général de son armée. Quand je l'ai rencontrée en tête à tête, j'ai réalisé à quel point elle était différente de ce que j'imaginais. Mon maître m'a chargé de l'espionner, d'évaluer la puissance de son armée. Mais je sens que c'est elle qui me jauge. Mon maître a peut-être sous-estimé la menace du Yamatai. Il est difficile d'évaluer la véritable puissance des gardes-tempêtes. Mais j'ai le sentiment que la reine solaire
ne doit pas être prise à la légère. Admettons, si j'étais streamer ou youtubeur plein temps, ouais, je ferais plein de jeux, mais... Ah non. Bien. Pourquoi il faut maintenir ? Oh, j'ai de plus en plus envie de me faire une clope là. Rafale va rester là où elle est. Hop hop. Pas sauter là-dessus.
pourrait y avoir tellement de courants là. Ouais, sauf 2-3 conneries que je désactive. Juste. Si j'ai mis en x8, je vais le mettre en x16. Normalement, d'après le benchmark, je tourne à 220 fps avec tout à fond. Ça, on peut pas aller plus haut. L'anti-crénelage. Le fixAA, juste non. Le SSAA. x2. Je perds 100 FPS, donc non. Et plus haut, on va même pas en parler. Donc ça, ça me pète pas la rétine, je vois même pas de différence. Enfin, différence. Je vois pas de grosse pixelisation au niveau des angles, etc. Donc ça me convient. Pour tout le reste, voilà, ultra. Profondeur de champ, non. Juste non. Et c'est ça, oh, bon bah voilà. Process non plus, ça c'est le la tessellation, on va appeler le pavage. C'est pas la première fois que je vois ça, donc je sais ce que c'est, mais sinon je saurais que dit comme ça le pavage, ouais. Bref, j'ai désactivé parce que en regardant un petit peu sur internet, j'ai vu que apparemment ça rendait le jeu assez instable sur via après. C'est peut-être des posts il y a longtemps, enfin de la sortie du jeu. Attention. Donc. Par précaution, j'ai préféré le désactiver. La haute précision, ça, ben, c'est pour avoir un meilleur rendu au niveau des lumières, d'après ce que j'ai pu comprendre. Donc, voilà. Et ça tourne apparemment, d'après le benchmark, comme je dis, à 200 et 2 FPS. Ça tourne bien. S'il est à l'intérieur, on va devoir un petit peu visiter. Bon. Je crois pas que ce soit vraiment un problème d'optimisation quand le jeu crache à cause de certaines options, mais plutôt de portage. Je crois que c'est peut-être vraiment l'optimisation, hein, mais c'est rien. Encore censé y aller. Et voilà. Oui, bon, ça coûte, on peut pas utiliser d'armes. Je veux juste récupérer le sac. C'est tout. Sac. En plus, ces salopards. Ça y est. Bon, il faut que je rapporte ça à Ross. Thank you.
relou. C'est pas mal bien optimisé. Ok. Désolé. J'avais compris l'inverse. Escalade requis. Si, mais apparemment c'est pas suffisant. Parce que, enfin, après, c'est vrai que escalader avec un seul piolet, je crois que ça doit être assez compliqué. Bon, je vais te remettre sur pied. Comme toi a appris à faire des bandages. J'ai pas mal bossé comme serveuse de nuit. Les bagarres, ça finit souvent comme ça. Hé, hey, tu l'as retrouvé. Bien joué. Alors, il va falloir la porter en haut de la tour radio, c'est ça? C'est le meilleur moyen de diffuser un signal puissant dans toutes les directions. En riche. Écoute spécial, Lara. Il faut qu'on envoie ce SOS. Expédition archéo. Mais je ne suis pas en train de grimper. J'avais peur que tu me dises un truc comme ça. Tu peux le faire, Lara. Après tout, tu es une Croft. Mais je ne suis pas ce genre de Croft. Bien sûr que si. Mais tu ne le sais pas encore. Ah, oh, voilà. J'espère pour nous que tu as raison. Mais sois prudente, Lara. Voilà. Peut-être essayer ton pied.
violet sur cette paroi rocheuse là-bas. Tombé en fait. Je peux y arriver. Ah oui. Je me suis dit qu'elle allait utiliser le... qu'elle allait utiliser le piolet improvisé qu'elle avait en plus, mais... c'est le Wario. Elle pourrait s'accrocher là, mais c'est peut-être pas pour là. Là, comme ça. Hey, t'as trouvé quelque chose? Non, rien. Quoi? Rien. Oh merde! Moi d'être pas bon. J'ai parlé à plusieurs habitants de l'île. On m'avait formellement interdit de quitter le palais, mais il en fallait plus pour m'arrêter.
Mon objectif est clair. Je dois découvrir la vérité. Mais les histoires que je découvre dépassent l'entendement. Des rumeurs affirment que la reine serait en communion avec le monde des esprits, qu'elle commanderait le soleil et la pluie, et que les terres ne seraient fertiles que par sa volonté. Ce sont sûrement des inepties. Mais d'où viennent ces rumeurs? Est-ce ainsi qu'elle contrôle son peuple? En usant de superstitions primitives? Lorsqu'ils parlent de leur reine, je vois du respect dans leur regard, mais aussi de la peur. Le peuple est traité avec justice, taxé raisonnablement et protégé par les gardes tempêtes. Je comprends qu'ils la vénèrent à ce point. Certains voient en leur reine une véritable divinité. Semer le mécontentement au sein de la population risque de s'avérer plus difficile que prévu. Y avoir de courant, je devrais pas tenir debout. Mortier, son pilon. Probablement utilisé pour préparer des potions à base de plantes. Sauter derrière ça. Ouais.
Tu es là ? Hey Yes, où es-tu ? Tu as trouvé Sam ? On est toujours sur sa trace. Ok, je vais essayer d'envoyer un SOS depuis une vieille tour radio. Une idée ? Tu vas devoir trouver la console de communication. Ça ressemble à un vieux standard téléphonique. D'accord, je te rappelle dès que je la trouve. Je vous en prie! Ne faites pas ça! J'appréciais assez bien le fait qu'ils aient des munitions de pistolet alors qu'aucun d'eux n'en a. J'ai un mauvais pressentiment. Crois-moi, Reyes, c'est mécanique, c'est pas un problème électrique. Maintenant, Alex. C'est pas... Ok, peut-être que c'est un problème électrique. Non, tu crois ? Ah. Bonjour. Qui est cette demoiselle ? Elle est mignonne, hein ? Ah, plutôt, ouais. Oui, c'est Alisha. Alisha ? C'est ma fille. Oh. Elle a 14 ans. Et elle est plus débrouillarde que toi. Elle doit tenir ça de son père. Fais pas attention à lui. Et oui... Je vais aller voir ça. C'est un problème électrique. Elle tient de son père. Pas mal. Donc j'étais sur le lac, pour une partie de pêche nocturne. Hé, Grim, c'est l'heure de fermer les écoutilles. J'arrive tout de suite. Donc j'étais sur le lac. Et cette chose arrive vers moi, et commence à sortir de l'eau. Alors, je lui ai mis un coup de boule, vous voyez. Je vous assure que 9 fois sur 10, ça marche. J'ai eu mal au crâne pendant une semaine, et j'ai pas bu une goutte depuis. À tout à l'heure, Sam. Ok, on peut refaire une prise, s'il vous plaît ? Merci. Docteur Whitman, séquence 15, prise 3, et action. Alors, vous le tenez bien, et vous lui ouvrez le ventre, comme ça. Ouais, mais il faut... C'est pas vrai. Coupez ! Coupez ! Coupez ! Coupez ! Il va revenir ? Je vais le chercher. L'archéologue mondialement connu. Et je peux vous dire... L'archéologue de renommée mondiale, le docteur Whitman. Ce n'est qu'un poisson. Je sais que ce n'est qu'un poisson. Tout va bien se passer. Cette fichue
télé-réalité, je m'y ferai jamais. Je suis censé apporter de la culture aux gens, Sam. Pas cuisiner. Sans vouloir vous vexer. Le public veut voir des choses, Dr. Whitman. Vous le savez. Et en attendant de trouver le royaume perdu, nous n'avons pas vraiment le choix. Allez, on reprend au début, d'accord? On s'arrangera au montage, vous aurez l'air d'un vrai chef, vous verrez. Docteur James Whitman, séquence 15, prise 4, action. Alors, tenez-le fermement et tranchez-lui le ventre. Comme ça. J'ai tellement étudié ces cartes que je les vois encore quand je ferme les yeux. Et si jamais le Yamatai ne se trouvait pas dans le triangle du dragon? Je me souviens du jour où t'as trouvé ça sur un chantier. T'as couru pour venir me le montrer dans ton pyjama à pingouin. J'avais tout juste 5 ans, c'était mon premier trésor. Tu as beaucoup d'instinct, Lara. Il faut que tu crois en toi. C'est ce que mon père disait toujours. Oui, lui, il ne fonctionnait qu'à l'instinct. Au risque de se tromper. Il aurait été très fier de toi, Lara. La tempête n'est plus très loin. Allez. Ne t'inquiète pas, on s'en sortira. Ok, Lara. C'est pas le moment de faiblir. Tout le monde compte sur toi. La tolérance à la douleur. Subissez plus de dégâts lorsque vous des combats sans y laisser. Lors des combats sans y laisser votre peau, putain. Roublardise. Utilisez la poussière et les cailloux pour aveugler vos ennemis et les rendre invulnérables à vos attaques. Piolet. Assénez rapidement deux coups de piolet pour étourder vos ennemis. Terre en piolet. Siffle contre attaque. Esquive élimination. Maîtrise esquive élimination. J'imagine qu'il y aura des phases où on n'aura pas du tout le pistolet, enfin d'armes à feu. Vous avez plus de temps pour viser de manière précise avec votre arc. Avec ça. Entraînement d'escalade. C'est comme si je m'étais préparée à ça depuis toujours. Ah, il est clair que les gens vivent ici. Ils sont organisés, ils tuent et ils recrutent. Mais pourquoi? On dirait une sorte de secte. Mais qui vénère-t-il? Cette pièce a probablement été mise en circulation au Japon au milieu du 19e siècle. Par ici, ouais.
Thomas. Je me rappelle bien, c'était pas trop longtemps après sa sortie, il y avait eu des promos Steam et eu un pack avec l'entièreté des Tomb Raider. Du coup, je l'ai acheté. Et en fois que j'y joue. Être difficile de faire mieux que le dernier Tomb Raider auquel j'ai joué, vu que c'était. Non, j'ai dit trois fois son nom, je viens de l'oublier. C'est loupé. Comment encore? C'est ça d'ailleurs. Underworld. Les Tomb Raider ont toujours eu une maniabilité assez raide, si tu l'entends dans le sens où tu tournes comme un robot, tu sautes, tu peux pas diriger ton saut, etc. Que celui-ci, bon ben, personnellement, ça me choque sans trop me choquer, mais par exemple, on peut se diriger quand on a lancé en saut, ce qui est assez spécial dans un Tomb Raider, on va dire. Est beaucoup plus permissif que les premiers ou même les précédents, c'est large du terme. Un bunker, Seconde Guerre mondiale, probablement japonais. Ça gèle.
Je suis au service du père Mathias. Quitte à être prisonnier de cette île, ouais, autant avoir le meilleur poste. On va dire ça, mais après, enfin, premier Solari. Justement, c'est ça qui était Mathias marrant, même si, bon, le gameplay Tomb Raider est devenu assez vieux. Enfin, des anciens Tomb Raider est devenu assez vieux, assez... pas dire surfait, mais... chiant. Nous contrôlons les armes et la nourriture. Ouais. Ce que les tempêtes nous apportent nous appartient et nous décidons. À peu près ça. Joue à un des premiers Tomb Raider, je ne saurais plus. Enfin, si j'ai essayé, mais de notre propre prison. C'est lourd, quoi. C'est lourd, mais à l'époque, c'est voilà, c'était normal. T'avais ça ou rien. Donc maintenant, ça se. On peut dire casualisme, sans vraiment dire que c'est vraiment casual. C'est juste que les touches sont plus adaptées, moins raides, comme tu l'as dit. Après, voilà, disons que Tomb Raider avait son identité, Uncharted avait son identité, et les deux maintenant sont rapprochés. Après, est-ce que Tomb Raider avait vraiment le choix, quoi ? Ah ouais. Pourquoi ils ont besoin de ça ? Sûrement pour le générateur. Comment on va faire ? Ah ! T'es accroupi, tu peux vraiment rien faire. Tu peux pas fouiller, tu peux pas utiliser tes armes, c'est que dalle. Je trouve que c'est magique les jeux où t'es en third person, t'es mais 3 km derrière un mur, t'as ton arme dans le mur, mais si tu vises à côté du mur, ben c'est... La flèche elle a pas de trajectoire in between, c'est juste la cliquer, elle est là où, là où tu vises. Tu fais pas d'autres casiers ? Ouais. Bon. Ouais. Bon après Skyrim justement, c'est parce que FPS à la base. Et le TPS est assez dégueulasse. J'aime pas. Juste temps de jeu court, voilà, c'est marrant. Sinon. Non, enfin la haute menu uniquement avec la power armor, j'aime bien. Ça me rend. Ah, il faut du feu pour enflammer un objet. Ah, ok, c'est pour ça. Moi je croyais qu'à la base il voulait pas qu'on le fasse. C'est dangereux. Boum. Partout. Thank you.
T'as nulle part où aller, ma jolie. Qu'est-ce que... Mais attendez de regarder mourir. Oh non, j'en avais pas laissé en sol. Chier. Va en enfer. Ah. Une type ressent quelque chose. Pourquoi? Fusil simple. Fusil simple. Bazar. Rapport d'expédition. Malgré la perte de deux cargos provoquée par de puissantes tempêtes, l'expédition a accosté. Nous avons établi un centre de communication dans la montagne et commencé la construction d'une base côtière. Nos premières études ont révélé plusieurs sites de fouilles potentiels. Cette île est beaucoup plus grande que nous le pensions et abrite des siècles de vestiges historiques. Identifier la cause des tempêtes sera un travail long et difficile. Mais si nous y parvenons, notre victoire dans cette guerre sera assurée. Oui. Pêcher du peuple. Et à mon tour. J'ai trouvé ça bizarre que mon personnage a... Le père Mathias nous libérera. De quoi? De cette île?
à pouvoir allumer ma torche. Je suis désolé de te niquer ton groupe comme ça. Oh putain, il y en avait un jeu. Alex, tu es là? Oui. La console est fichue. Merde. Bon, alors il va falloir passer au plan B. Tu vas devoir brancher l'émetteur directement sur le panneau de maintenance. Ok, ça a l'air plutôt faisable. Ouais, mais... Et il va déjà falloir que tu le trouves. Sur ces vieilles tours, ces panneaux sont installés en haut. Enfin, du genre, tout en haut. Oh, Far Cry. Encore de l'escalade. Génial. Oh. Et je me fais une blessure, en fait, avec mes lunettes sur... avec le casque. C'est super agréable. J'espère que ça marchera après tout ça. Ouais, mais alors, elles vont être énormes, ça va pas être agréable. Oh putain. Et ouais, je crois qu'il faudra que je mette quelque chose parce que franchement. Ça fait depuis une blinde que j'avais pas eu ça, enfin depuis mon ancien casque quand il était neuf. Pas normal. Bon. Compétence. Ouais. Ouais, c'est vrai. Pardon. Chargeur grande capacité, cross capitaine, frein de bouche, chargeur double, aide d'injection, poly. Je comprends pas pourquoi ils nous mettent une G3 sur l'image alors que c'est en type 60. Donc ça va. Faudrait pas que je le diminue.
c'est ça là, les pièces dont il parle. Alors, chargeur contient 15 balles supplémentaires, c'est pas mal. Le capitonnage de la crosse et la poignée permet d'améliorer la stabilité de l'arme. Type efficacement le gaz de propulsion qui réduit le recul. Deux chargeurs collés ensemble avec du rebond adhésif permettant d'échanger la vitesse. D'augmenter la vitesse de rechargement. Les éjections polies améliorent la cadence de tir. C'est pas le meilleur truc du monde, mais... Pas encore. Bon. Ouais, mais en fait... Et voilà. C'est déjà la fin de ce stream. Parce que oui, demain, je dois me lever excessivement tôt. Donc voilà, c'est déjà la fin de ce stream. Ça vous a plu? On se retrouve normalement demain vers à nouveau 4-5 heures, dans ces eaux-là. Je ne sais pas encore si je travaille mardi. Et si je ne travaille pas le mardi, ben on va peut-être un petit peu plus long. Sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée ou une très bonne nuit. Et à la prochaine.